ce Dieu. Alléluia. Élève ta voix là où tu es, adore ce Dieu. Yendo rubo shinda na Yendo rubo shinda na basa koria bana bana basa na ra ba ba Yendo rubo sa koria bana bana basa na ra ba ba Il est un fleuve coulant du cœur des dieux. Assez Louis, Lord, Lord,
voulons vous saluer, frères et sœurs, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. We want to welcome you in the presence of the Lord. Nous bénissons ce Dieu de grâce, ce Dieu de faveur. Let's give thanks to this God of grace and favor. C'est Dieu qui a dit dans sa parole. The God who said in his word. Je bâtirai mon église. I will build my church. Je bâtirai mon église. I will build my church. Je bâtirai mon église. I will build my church. Et les portes du séjour de Sheol ne prévendront point contre elle. And the doors were open and nobody would stand against her. C'est pas notre église. It is not our church. C'est pas votre église. It is not your church. Mais c'est son église. It is the church of God. Et nous avons la ferme conviction. And we have firm assurance. Là où il a dit. Where he said. Deux ou trois réunis en son nom. Where two or three. Il est là. Il est là. He is there. Père éternel, nous bénissons ta présence. Lord Father, we thank you for your presence. Oh, nous avons besoin de ta présence. Lord, we need your presence. Le monde est fatigué. The world is tired, Lord. Les hommes et les femmes. Women and men. Qui nous suivent. Who are following us. Sur Internet. Dans leur salon, dans leur maison. At home, through the Internet. Ici à l'église. Even here in church, Lord. Beaucoup sont fatigués. A lot are tired. Mais c'est toi le Fils de l'homme. But you are the Son of Man. C'est toi qui peux réconforter. You are the one who can give comfort. C'est toi qui peux redonner encore l'espoir. And you are the one who gives again strength. Et tu as dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. And you said you are the way and the light. And Père, nous te voulons. Lord, we need you. Nous avons besoin de toi. We need you. Nous avons besoin de ta présence. We need your presence in this place. Bénis ta parole. Bless your word. Au nom de Jésus. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Quelqu'un peut dire amen. Can somebody say amen? Qui a dit amen? Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Parce qu'il est merveilleux. Nous vous saluons dans les beaux et précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. We are saying hello to you guys in Jesus' name. C'est le plus beau nom qui peut exister. It is the best name that can ever exist. Le nom de Jésus-Christ. The name of Jesus Christ. Le plus beau nom. The best name ever. Oh, j'aime ce nom. I love this name, Jesus. C'est l'unique nom qui nous a été donné. It is the one unique name that has been given pour to us. Quiconque invoque ce nom. For those who have invoked those names. Oui, il a la guérison. We receive. Il a l'espoir. Healing. We receive healing and hope. Il a la restauration. And restoration. Be blessed. Be blessed. Soyez béni. Amen. Amen. L'impact de l'adoration dans la vie du chrétien. The impact of worshiping in the life of Christians. Le mot impact. The word impact. Est synonyme du mot résultat. Is a synonym for the word results. Résultat. Results. Le mot impact. The word impact. Est synonyme du mot effet. Is synonym to the word effect. Quand Dieu te rencontre. When God meets you. Il y a effet. There is effect. Il y a résultat. There is results. Le mot impact. The word impact. Est synonyme du mot conséquence. Is synonym to the word consequence. L'adoration. Adoration. Car elle nous touche. Because it touches. Il y a résultat. There is results. Il y aura impact. There will be impact. Il y aura conséquence. There will be consequence. Il y aura effet. There will be effect. Et impact aussi est synonyme du mot choc. Impact is also a synonym of the word shock. Amen. Amen. Oh, que Dieu vient donner les résultats. May God come and give results. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 40. We are in Exodus 40.
Et après que Moïse ait reçu la révélation de Dieu, after Moses received the revelation from God, Dieu lui a parlé distinctement. The Lord spoke to him distinctively. Il lui a dit, mon fils, the Bible said, my son, viens, come, et construis le tabernacle. And build the tabernacle. Parce que Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Because God wanted to live in the middle of his children, of his nation. Et la Bible déclare que Moïse, and the Bible declares that Moses, il a construit le tabernacle, built the tabernacle, selon le modèle céleste, according to the celestial ways. Donc l'adoration, therefore worship, nous le construisons, we build it, selon un modèle, according to a style, pas selon le modèle terrestre, not according to the worldly ways, pas selon le modèle humain, not according to human ways, mais selon le modèle, unique modèle du ciel, according to the way celestial, to the way of God. Qui a dit amen? Et la Bible déclare, and the Bible declares, Moïse a reçu la révélation. Moses received the revelation. Il a communiqué la vision au peuple. He communicated the vision with, to the nation. Et le peuple se sont rassemblés tout autour de Moïse. And the nation reassembled around Moses. J'ai aimé ce qui s'est passé dans le chapitre 25. And I like what happened in verse 25. Il a donné les prescriptions et que tous les hommes, hommes et femmes, chacun a apporté à une contribution pour la construction de ce tabernacle de Dieu. And he told the nation that every single one of them had a purpose, had a need to build what God had sent for them, had to help and build a tabernacle. Et vous savez, quand Dieu vous donne une vision, when God gives you a vision, il pourvoit pour cette vision. It will bless that vision. It will lead you. Et la Bible dit, and the Bible says, Dieu a associé à Moïse Bezalel et les autres. God gave Moses Bezalel and the others to help him build. Homme qui était rempli de la sagesse et de la connaissance de Dieu pour sculpter l'or et les autres ouvrages pour la construction du tabernacle. Men who were filled with wisdom and will to help Moses build, and those who were willing to work for it. Au chapitre, du chapitre 25, from chapter 25, et jusqu'au chapitre 39, into chapter 39, Moïse était en train de respecter les lois, les prescriptions, les ordonnances de ce que Dieu lui avait donné, comment construire le tabernacle. Moses was following the will of God, following the path and the instructions from God on how to build a tabernacle. Et quand nous arrivons au chapitre 40, and when we get to chapter 40, c'est là où Dieu a approuvé l'offrande, le travail de tout un groupe, de toute une nation, selon le modèle de Dieu. That is where God approved the will and the setup of what he wanted done. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse, fais approcher Aaron et ses fils. The Bible says, tell Moses to approach Aaron and his children vers la tente de l'entrée d'assignation, towards the opening of the temple. The c'est le verset 12 du chapitre 40. Chapter 12. Et tu les laveras avec de l'eau. And you will wash them with water. Et tu revêtiras Aaron de vêtements sacrés. And you will clothe them in holy garments. Tu les oindras. And you will anoint them. Et tu les sanctifieras. And you will sanctify them. La Bible dit, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. So that they shall be holy before me. Dans le sacerdoce. So that they can become holy in the priest. Tu le laveras. You will wash them. Tu le feras entrer. You will get them into the temple. Tu le revêtiras de vêtements sacrés. You will again clothe them in holy garments. Et à la fin, tu le oindras.
And at the end, you will anoint them. La Bible dit. The Bible says. Quand Moïse a fait tout ce que Dieu lui avait recommandé. When Moses accomplished all that God asked. La Bible dit il plaça les chandeliers dans la tente d'assignation. He placed the light next to where it was supposed to be. Il arrangea les lampes devant l'Éternel. He fixed the lamps in front of the Lord. Parce que les lampes ne devaient pas s'éteindre dans le tabernacle. Because the lights were not supposed to go out in the tabernacle. C'est pour ça la Bible dit que les lampes continuèrent à brûler sur l'autel. That's why the Bible tells us that the lamp will continue to illuminate. Et le sacrificateur, and the priest, ils étaient en charge. They were in charge. De veiller pour que les lampes ne puissent pas s'éteindre. To watch so that the light would not die. Matin, soir. Morning, matin, night. Soir. Morning, matin, night. Soir. Morning, night. Ils travaillent. They work. Amen. Amen. La Bible dit. The Bible says. Au verset 29, il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée de la du tabernacle. In chapter 21, that they placed the offering. Et ils ont offert les holocaustes et les offrandes. And they offered their offering to the Lord. Et comme résultat, bien aimé, au chapitre 35, 34. And as a au result, verset 34 plus tôt. In verse 34. La Bible dit alors la nuée couvrit la tente d'assignation. In verse 34, the Bible tells us that a cloud came and covered the la tent. La nuée couvrit la tente d'assignation. It tells us that the cloud came and covered the tabernacle. Oui, je prie que Dieu couvre votre vie asking, avec sa gloire. I am praying that God cover your lives que with Dieu his glory. Que Dieu couvre nos enfants de sa gloire. May the Lord cover our children with his que glory. Que la nuée de Dieu couvre nos foyers. Let the cloud of the Lord cover our family. Que la gloire de Dieu couvre notre travail. Let the cloud of the Lord cover our que family. Que la gloire de Dieu couvre cette église. Let the cloud of the Lord cover this church. La Bible dit. The Bible says. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation. Moses could not go into the temple. Parce que la nuée restait dessus. Because the cloud stayed on top of the tent. La nuée était sur la tente d'assignation. The cloud was on top of the tent. Le Shekinah de Dieu était sur la tente d'assignation. And those who were with God were at that very tent. Et la Bible dit, aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus du tabernacle. And as long as they were with God, that cloud helped them walk and go through their path. Nous avons besoin du doxa de Dieu. We need that cloud from God. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. We need God's glory. La gloire de Dieu couvrira tes finances. The glory of God will cover your finances. Même toi qui es malade, la gloire de Dieu te couvrira. Amen. Et la guérison pénétrera, va pénétrer dans les os, dans les muscles, dans ta chair, et tu vas recouvrir la restauration totale. Amen. And the power of the Lord, the cloud of the Lord will cover and heal and bless those who are sick. Amen. Amen. Qui a dit amen? Amen. Who says amen? Premier point, nous avons vu quand il y a impact de l'adoration. Premièrement. The first thing we saw when there's impact of worship. Nous avons dit, Dieu change notre identité. We said that God changes our identities. Deuxièmement, nous avons dit, quand il y a impact, nous rencontrons la sainteté de Dieu. Secondly, we said that when there is impact, we will meet the glory of God. Et troisièmement, aujourd'hui, thirdly, today, quand il y a impact de l'adoration, when there is impact of worship, wow, le ciel s'ouvre. The heavens will open up. Le ciel s'ouvre. The heavens will open up. Oh oui, je prie que le ciel s'ouvre sur ta destinée au nom de Jésus. And yes, I pray that the heavens open up in your life in Jesus' je name. Je prie que le ciel s'ouvre sur tes affaires au nom de Jésus. I am praying that
The heavens open up in your business in Jesus' name. Je prie que le ciel s'ouvre sur ta progéniture au nom de Jésus. I am praying that the heavens open up in your life today. Je prie que le ciel s'ouvre sur tes études au nom de Jésus. I am praying that the heavens open up on your studies in Jesus' name. Je prie que le ciel s'ouvre sur le problème de ton voyage au nom de Jésus. I am praying that the heavens open up to the plan, your plans of travels. Quand nous prions, quand nous adorons Dieu, when we pray, when we worship, wow, le ciel s'ouvre. Wow, the heavens open up. Dites en vous-même, Seigneur, que le ciel s'ouvre sur ma destinée. Tell yourself, Lord, let my oui, dis-le à haute voix, s'il vous plaît. Dis-le à haute voix, votre voisin, votre ami. Que le ciel s'ouvre sur ma destinée. Let the heavens open for my destiny. Oh, je déclare que le ciel s'ouvre sur tes enfants. Au nom de Jésus. Je déclare que le ciel s'ouvre sur le problème de ton chômage. Au nom de Jésus. I declare that the heavens open up. Que le ciel s'ouvre sur le problème de ton visa. Au nom de Jésus. I declare that the heavens open up to your visa at this very end. Que le ciel s'ouvre sur le problème de ces grands projets que vous avez. Au nom de Jésus. Let the heavens open on top of those projects that you want done. À titre d'exemple, nous allons voir lui-même le maître Jésus-Christ. And we're going to see himself, the teacher, Jesus. Nous sommes dans Marc, chapitre 1er. We are Mark first. Ici nous voyons le baptême. Here we're seeing the baptism. Et tentation de Jésus-Christ. The baptism and the temptation of Jesus. Mais au verset 9, in verse 9, ma Bible déclare, my Bible is telling me, à ce temps-là, Jésus vint de Nazareth. In those days, Jesus came from Nazareth. Vint de Nazareth en Galilée. Came from Nazareth in Galilee. Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. And was baptized by John in the Jordan. Au moment où il sortait de l'eau, immediately after coming out of the water, il vit les cieux s'ouvrir. He saw the heavens opening. Et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. And the spirit, like a dove, descended upon him. Et une voix fit entendre des cieux. And the voice came from the heavens. Ces paroles. Saying these words. Tu es mon fils bien-aimé. You are my son. En toi j'ai mis toute mon affection. In you I have put all my affections. Amen. Amen. Quelque part la Bible dit Jésus pria et les cieux s'ouvrirent. S'ouvrit plutôt. Somewhere in the Bible it says that Jesus prayed et les and cieux s'ouvrirent. And the heavens opened. Quand nous adorons, bien aimé. When we worship, my brothers. Amen. Amen. Il arrive parfois quand tu adores, ne pense plus aux événements passés. There are times when you pray, do not think about the past. Ne pense pas à ce que tu as laissé à la maison. Don't think about what you have left at home. Entre dans sa présence. Enter before his presence. Fléchis tes genoux. Bow your knees. Car l'unique personne que nous adorons dans l'église, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Because the only person we come to worship here is Jesus and Jesus alone. Nous n'adorons pas les représentants légaux, non. We are not worshiping the representation of or the government. D'une communauté, non. Or somebody from community north. Ou quand le pasteur, seigneur pasteur de l'église entre, on met des pagnes, il passe dessus et les gens acclament. Nous n'adorons pas un homme. We are not worshiping a man or a senior pastor at the church. Et ce qui fait la force du culte. And what gives the strength of a worship. Ce n'est même pas le synthétiseur. It's not even the priest. Mais la présence de Jésus-Christ. But the presence of the la Lord. La présence de Jésus-Christ. The presence of Jesus Christ. La présence de Jésus-Christ. Quand Jésus est adoré réellement. When Jesus is worshipped truly. Bien aimé, même si le ciel était pour vous de l'air, Dieu, quand il agrée votre adoration, le ciel s'ouvre.
Even if you were worshiping for God, even if the heavens were closed, they would open up because you were praying for Jesus. Et quand le ciel s'ouvrit, and when the heavens opened up, une voix se fit entendre. A voice was heard. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Who says this is my beloved son? Celui-ci est mon fils de mon amour. This is my beloved son. C'est celui que je mets l'espoir. In whom I am pleased. Il pouvait dire, Moïse est mon fils bien-aimé. He could have said, Moses is my son. Il pouvait dire, Abraham est mon fils bien-aimé. He could have said, Abraham is my beloved son. Il pouvait dire, le représentant d'une communauté, mon fils bien-aimé. He could have named a representative of a community. Mais Dieu lui-même a approuvé l'offrande. But God himself accepted the offering. Il a approuvé le baptême de Christ dans les eaux du Jourdain. He accepted the offering that was Jesus' baptism. Une voix se fit entendre. The voice was heard. Oh, je prie que tu entendes une voix pour ces problèmes qui te dérangent. Amen. I pray that you receive a voice in your life. Je te donnerai une parole à propos pour ta situation là. God will give you a solution for your problem right now. Dieu te parlera. Il te donnera des directives. Il te donnera des précisions avec ces problèmes qui te dérangent, au nom de Jésus-Christ. God will give you directives to your life, to the problems that are bothering you right now, in Jesus' name. Le ciel s'ouvrit. The heavens open. Oh, que le ciel s'ouvre pour Shama Church. I pray that the heavens open for Shama Church. Que le ciel s'ouvre sur l'homme de Dieu, Benny Kibombe. Let the heavens open up for the pastor of this church, Benny Kibombe. Dans les Chroniques, chapitre 6, verset 26. In 2 Chronicles. De Chroniques 6, verset 26. 2 Chronicles 6, 26. Nous lisons ensemble. We're going to read together. De Chroniques 6, verset 26. 2 Chronicles 6, 26. Ici, c'est juste après la construction du temple. This is just after the construction of the tabernacle. Et après, pendant la dédicace. And after the dedications, Salomon, l'homme de Dieu, devait dédicacer le temple de Adonai. Solomon, the son of God, wanted to bless the tabernacle. Mais Salomon a fait une prière magistrale. Solomon did a magical prayer. Il a dit, par exemple, au verset 13. He said, for example, in verse 13. Partie B. Part B. Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Amen. And he said, oh Lord, there is no none comparable to you. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. There is none like you, Lord. Dans les cieux. In the heavens. Et sur la terre. And here on earth. Tu gardes l'alliance et la miséricorde avec tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. You protect and guide the children that you have put in your heart. Mais écoutez le verset 26. Now let's hear verse 26. Quand le ciel sera fermé. When the heavens are shut up and there is no rain. Je suis au chapitre 6, le verset 26 des Chroniques. 2 Chronicles 6, 26. Quand le ciel sera fermé. When the heavens are shut up. Et qu'il n'y aura point de pluie. And there is no rain. À cause de leur péché contre toi. Because they have sinned against you. S'ils prient dans ce lieu. And they pray, towards this et place. Et rendent gloire à ton nom. And confess your name. Et s'ils se détournent de leur péché. And turn from their sin. Parce que tu les as châtiés. When you afflicted them. À cause de, exauce les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et ton peuple. Then hear in the heavens and forgive the sin of your servants and your people Israel. Quand les cieux sera comme de l'air. When the heavens will be like. Nous prions que ceux qui viennent à l'église, que le ciel s'ouvre dans leur vie.
We are praying that those who come to the church, let their lives be open. Tu as rencontré Jésus dans ton cœur. You have met Jesus in your heart. La Bible dit, maintenant, vous êtes devenu une nouvelle créature. The Bible says, now you are a new creature. Les choses anciennes sont passées. The old things have passed. Et toutes choses sont devenues nouvelles. And everything has become new. Et vous ne marchez plus dans ces... Vous ne vous conformez plus au monde. And you are not conforming with the word. Vous marchez avec le Seigneur. You are walking with the Lord. Vous vivez avec le Seigneur. You are living with the Lord. Mais il arrive parfois, tu adores Dieu, tu loues Dieu, mais parfois le ciel est toujours fermé pour ta vie. There are some times where you worship, where you pray, where you cry, but mais the heavens are not open. Mais je t'encourager ce matin. But I am here to encourage you. Ne reste pas dans le parvis. Don't stay below. Ne reste pas dans le lieu saint. Oh, don't stay at the gates. Do not stay at the saint place. Parce que la gloire ne descendait pas dans le parvis. Because the glory does not fall at the gate. Parce que dans le parvis, il y avait l'autel des holocaustes et la cuve de rein. Because at the gate there were the holocaust. Et dans le lieu saint. And in the saint place. Il y avait les sept branches. There were seven branches. Les chandeliers qui étaient là, qui s'allumaient jour après jour. And the lamp that was always illuminated day after day. Il y avait aussi l'hôtel du parfum. And there was a hotel for essences. Mais dans le saint des saints. But in the saint of saints. Oh, bien-aimé, j'aime le saint des saints. Oh, my brothers, I like this saint of saint place. Ne reste pas seulement à confesser ton péché. J'ai péché. Tu sais, je suis pécheur. Nous sommes des pécheurs. Tu restes seulement dans le parvis. Non. Do not just stay at the gate confessing your sins. No. Il y a des chrétiens, quand ils arrivent à l'église, ils ne font que confesser leurs péchés. Ils ne font que confesser ce qu'ils avaient fait. Ils ne restent qu'à confesser leurs péchés. C'est pas mauvais. There are believers who come to church every day confessing their sins, every day confessing their sins. It's not bad. Car la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Amen. Because the Bible has told us that if we confess our sins, he is just to forgive us. Mais j'aimerais vous encourager, frère. But I am encouraging you, brother. À ne pas rester dans le parvis seulement. Do not stay at the gate. Avançons dans le lieu saint. Advance in the saint place. Et ne reste pas seulement là. And do not stay there. Mais quand la gloire de Dieu était descendue, c'était dans le saint des saints. But the glory of God is only seen in the saint place. Et ce n'est pas n'importe qui est entré dans le saint des saints. It isn't.